Viens là, pourquoi t'as lancé? Viens là, viens là. Viens salaud. Viens là, je vais te taper. Viens là, je vais te taper. Viens là. Eh ben non. Salopard. Viens là. En plus, je suis de ma gueule. Tu vas voir. Bam. Bam, 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 bam. Oh, you, je te tape. Salut à toutes et à tous. D'où c'est... D'où tu voles mes intros comme nous. Ça C'est pas nous. Mec, tu voles mon intro, mais la violence. Je suis enculé. Allez, salut. Où est-ce que tu te caches, petit con? J'arrive je pas suis, à retrouver. Je suis dans un bâtiment. Ah, c'est bon, je la vois. Je suis dans un bâtiment. Et en tout cas, salut à toutes et à tous. C'est Kylian et Maxime. C'est ma couille. Hein. Et aujourd'hui, on se retrouve pour... Salut. Bonjour. Pour l'épisode 6, si je ne m'abuse... Non, l'épisode 5, pardon. L'épisode 5 de la création cubique. Je ne sais plus. Ouais, non, je sais plus en fait. C'est pour moi. Attends. Non, non, c'est l'épisode 5, c'est ça. C'est 5. L'épisode 5, autant pour moi. Donc, de la création cubique. Et la dernière fois, on avait fini tout le sol de C'est beau. du rez-de-chaussée. Maxime avait fait un escalier pour aller jusqu'au dernier étage. Et on avait fait une petite discussion, du moins un petit débat. On a trash talk les gens. Voilà, c'est ça exactement. On s'est défoulé parce qu'on en avait besoin. On s'en excuse pas du tout parce que voilà, il faut. Parce que c'est complètement vrai. Parce que c'est la liberté c'est d'expression. Tout ce qu'on a dit, on l'a pensé parce que voilà, la sincérité est la plus grande des gentillesses et à la fois la plus grande des méchancetés. C'est ça. C'est beau. C'est Dixit Kylian, grand philosophe. Et donc bah là on va continuer à avancer. Alors moi je vais faire la mezzanine et Maxime va faire je ne sais pas, bah le dernier étage en fait. Tu vas faire le dernier étage si je ne m'abuse. Et donc on va essayer de trouver pas mal de trucs à faire. Alors notamment on va tenter quelques trucs de décoration. Ok, merde. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est la merde. Oh putain, on a bien de la chance de... d'avoir fini dehors parce que t'as vu, il pleut. Exact. Deux. Là, il y a deux. Ouais. Là, il y a un. C'est la mort. C'est la mort qui a assassiné Marcia. Bon, on va faire comme si on n'avait rien vu. De toute façon, au niveau de l'organisation, oui, c'est pas très très grave. Très grave, vraiment. Ça change rien au mur. Hein. Faut juste que tu décales d'un, en fait. Enfin. C'est les aléas du direct, les amis. On est navrés. Mais tout ça pour dire qu'on est content de vous retrouver. Néanmoins, on espère qu'on n'aura pas perdu trop de viewers. Espérons. Parce que à l'heure actuelle, on l'a même pas encore mis en ligne. Cet épisode, bloc de charme. Ouais, et ça c'est depuis un bail, hein, mon petit Maxou. Je veux voir la différence entre ce bloc de charme et l'argile colorée en noir. Ouais, le bloc de charme est bien stylé hein, quand même pour la déco. Alors attends, on va faire. Moi, tout ce qu'il me faut, c'est des bibliothèques, parce que j'ai des idées. Attends, j'ai aussi du quartz, du grès. Non, 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 tu te tais, c'est du gris. Je fais du trash talking sur toi aussi, mon gars. Pierre blanche. D'accord, plein de. Ok, c'est bien ça. Et donc, on va utiliser le bois d'épicé. Non, j'ai pas envie d'utiliser le bois d'épicé, j'ai envie d'utiliser le bloc de shard. Parce que je suis une sorte de connard. Pouf, merde. Yop, yop. On va faire une espèce de lit. Une espèce de lit. Donc on va coller les deux lits ici. Et hop. Et ça fait un gros lit absolument laid. Merde. C'était pas ce que je voulais à la base. Je voulais pas ça. On va voir ce qu'il y a en dalle. Bah écoute, dalle du Nether. Hein, fuck that. Yop 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 yop. Bah ben voilà. Je parle pas beaucoup. Je suis concentré sur ce que je fais de la merde. Tu dois pas être si concentré que ça en fait. Du coup ouais. Qu'en penses-tu? Bien. Voilà. C'est sympa.
Ça veut dire que c'est de la merde. Non, ça va. Moi, je l'aurais pas collé au mur, quoi, mais. Hop, ça reste quand même en ligne, c'est pas grave. Tu vas voir. Tu vas sentir la pâte en train de dorer. L'odeur qui sort du four. C'est bon, mais c'est chaud. Je sais pas. Te rappelles de cette pub, hein, toi aussi, mon gars. Elle m'a tellement cassé les couilles, cette pub. Pour tous ceux qui se souviennent de cette pub, fumeuse. À cause de laquelle mon père m'a cassé les couilles de nombreuses années. Encore maintenant, mais. Bref. Oh, c'est méchant. Et tellement vrai. La méchanceté, quoi. C'est gratuit en plus. Ouais. Regarde. C'est comme les cabanes qu'on faisait quand on était petit, mon gars. Je fous. Un pseudo baldaquin avec des draps de merde. Donc moi, je suis vraiment en train de faire un baldaquin. C'est ça. Moi, je vais faire un truc en escalier. Voilà. Nickel, c'est exactement. C'est swagué ou c'est pas swagué? Non, ça va. I know. Ce sera pas un lit. Ce sera son trône. Non, mais... C'est vrai, mec. Non, je sais, mon gars. C'est comme tu veux. Tu l'as déjà dit ou pas, ou tu faisais comme tu veux? Non, tu me l'as jamais dit. Moi, je t'ai jamais dit. C'est bah, tellement dur ce que tu me dis, mec. Comme tu c'est tellement dur. C'est comme tu veux. Ah putain. Bon, je vais laisser ça comme ça parce que je sais bug. Pas encore quoi faire, mais je. Je bug. Ouais, ça fait quelque chose d'assez spécial. Moche. Oh, en fait. C'est ça, mais. C'est spécial, c'est que c'est moche. Non, il y a des choses spéciales qui sont sympas, mais après. Après, oui, oui. Les choses spéciales que je fais sont moches. En l'occurrence. Mec, on a une fuite d'eau. C'était quoi ce cri de femme? J'ai fait un cri de meuf. Aucune virilité. Je dis ça. On va le savoir. Le gentil canard. Bah. Le gentil canard. Le gentil canard. Arrête. Le gentil canard. Tu sais quoi? Oh, elle est très chantille, le canard. Je suis une sorte de gros flemmard qui aime bien quand les choses sont comme elles sont. Quel flemmard. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tout ce que j'ai fait pour faire croire que j'allais faire des trucs de ouf. Bah, en fait, voilà, en fait, ça va pas se faire. Puisque je vais laisser ça comme ça. Ça voilà. Passouille. Ça passouille, ça passouille. Ouais, on va laisser ça comme ça. Ça sera un pseudo lit de camp. En fait, ça fait moche. Oh, c'est pas grand, bordel, bah oui. Ah, c'est logique. C'est pas assez grand. Sauvez-moi, j'ai peur. Putain. Tu sais, ça me fait chier. C'est quoi déjà la pierre qui brûle infiniment? C'est la netherrack? Ouais, ma gueule. Ça m'arrange pas. Oh, fuck it, hein. Pourquoi se compliquer la vie quand on peut faire juste ça? Hein? Pourquoi? Je vous le demande. Pourquoi? Et je vais même rajouter du design. Wow! C'est fantastique! Allez, sur ce, je vous laisse garder la forme sourire là-bas. Le mec qui se casse. On a trop marre. Oh, on a une fuite d'eau. Encore, putain. J'avais dit qu'il fallait appeler. J'avais dit qu'il fallait appeler le pont. Arrête de te manquer de moi, espèce de manard de merde. Et on va rajouter. Yeah. Ça va être bien. En fait, doux. What the. Doux. Doux. Doux, 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 doux. Doux, doux, doux. Doux, 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 doux. Nope. What the. Nope. What the. Putain, mais c'est. Ah ouais, je vais faire un double. Une doublette. C'est pas c'est quoi ici sur ce creep, tu vois. Sur ce toit là. Sur ce toit là. Ah bah voilà. Comme ça. En même temps, c'est toi qui l'as fait le toit, donc tu peux t'en prendre qu'à toi même. Je suis vraiment qu'une merde. Voilà, c'est bien. Continue Maxime, encore. Je suis vraiment qu'un caca. Voilà, merci. Ah, tu vas me faire un café maintenant, s'il te plaît. Non, on va te faire foutre. Oh, c'est méchant. Oh, la méchanceté à la pure. Exact. Je m'aime. Ou pas. Moi je ne t'aime pas. Bah moi je m'aime. Mais moi je ne t'aime pas. Non, mais moi je m'aime. Toi t'es une sorte de merde. Enfin, ouais, c'est exactement ça. T'as complètement raison, je viens de péter l'escalier. Ah, génial. Je vais mettre quelques toiles d'araignée. J'ai pas avancé dans cet épisode, sérieux. Sérieux? Ah mais d'ouf. Moi j'ai pas avancé. C'est clair que là en fait on n'avance pas, on fait plus de la merde qu'autre chose. Mais très grave.
En même temps, nous, on sait que quand on va les re-regarder pour se rappeler les conneries qu'on a fait, ça va nous faire rire, mais... Bim. Ça reste de la merde. Alors, bim. Je vais mettre un peu de toile d'araignée. Parce que ça fait dark. Voilà. Pas trop non plus, quoi. Non, non, bah non, justement, j'en mets un petit peu partout, sans dark, en mettre partout. Mais pas trop, quoi. Hop, une torche par-ci, par-là, parce que les torches, c'est la vie. Et voilà. On a un petit espace qui est... Non, c'est en mode de la glou-glou. Non, justement. Il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop de glou-glou. Justement, une maison d'arcs, il faut pas que... Une maison d'arcs. D'arcs. Bon, on se tait. Maison d'arcs. Une maison d'arcs, il faut pas qu'elle soit éclairée de ouf, tu vois. Parce que, bah, justement, faut qu'elle soit éclairée à un minimum, mais pas trop. Donc c'est pour ça, là, ça fait un espace de un petit peu coloré et tout. C'est assez sympa, je trouve. C'est assez sympa. Il nous reste 2 minutes, et des petites minutes. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus à cet endroit? Ah, c'était ça que j'ai... Eh, je t'assure, j'ai genre aucune idée, quoi. Ah bah... Tu te... Merde. Tu te rappelles l'époque... J'ai dit un moment, en plus, ouais, c'est ça. Tu te rappelles l'époque où... On se cassait la tête pour nos abonnés? Ouais. On faisait en sorte de trouver les idées putain, avant. Je me souviens, j'avais fait un 3. On faisait en sorte de trouver les idées avant j'ai fait un 3, j'ai avant fait de faire l'épisode. 3. Je l'ai pas fait en 3, merde. Ah, t'es coup, qu'une merde. Ah, et bah écoutez les amis. Fuck. Je vais aller voir ce que Maxime fait parce que depuis tout à l'heure je regarde. Ah, mais tu vas te calmer direct. What the fuck. C'est attends, ma tablette elle me parle, ouais. What do we have here? Yeah. Yeah, motherfucker. Je pose, motherfucker. Alors, qu'est-ce qu'il fait? D'accord, ouais, t'as rien avancé en fait. J'ai même plus avancé que toi. Non, mais surtout qu'en fait, j'ai pété le truc. Donc, du coup... Bon, bah écoutez, les amis, sur ce, gardez la forme, le sourire et la bonne humeur comme d'habitude. Maxime, gros bisous. Gros bisous. Je vous fais tes gros bisous. Mon ventre fait des bruits chelous. Il a pas envie que l'épisode s'arrête. Bah moi non plus parce que j'ai envie de finir ce lit de merde. Ouais mais il reste 1 minute. Non, même pas. Donc pour éviter que l'intro soit coupée, on va vous faire plein de gros bisous les amis. Et on continuera dans le prochain épisode. Voilà, je vous montre juste le résultat d'une de 15 minutes de travail quasiment. Voilà. De loin ça rend bien, mais de près c'est pas exceptionnel. Enfin, on fait ce qu'on peut. Voilà. Sur ce, gardez la forme, le son et la bonne humeur. Dans le prochain épisode, moi j'essaierai de m'attaquer un peu au bas. Surtout ici, on essaiera de faire une grande table avec des chaises assez pimpées de la night. N'est-ce pas, mon petit Maxou? Ouais. Et dans le prochain épisode, bah, Maxime continuera son dernier étage. Sur ce, gardez la forme, le sourire et la bonne humeur. Je sais pas si je l'ai déjà dit et au pire, on s'en fout. Je l'ai déjà dit, c'est pas grave. Et à la prochaine. Gros pissou.